Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc je suis très heureux de vous revoir. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc pour commencer, je tiens à vous remercier pour la vidéo top 10 troll qui a bien marché. Et pour le canular, donc où j'ai eu beaucoup de gemmes et j'ai eu des commentaires positifs et tout. Donc merci à vous les gars. Donc à part ça, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va découvrir un petit jeu sympa ensemble, donc qui s'appelle Draw My Think. Donc je sais à peu près ce que c'est, mais j'ai pas joué beaucoup, j'ai pas trop bien compris comment ça marche. Donc je me suis déjà inscrit, hein. Donc allez, c'est parti, on va tester ça. Donc play now. Voilà. Alors, on va tester ce jeu. Alors, il faut... Ah, mais je suis connecté. Je fous de ma gueule. Oh là là. Je fous vraiment de ma gueule. Hein. Voilà, le Gigantello. Et voilà. Le saviez-vous, c'est fait. On peut se connecter. Chaque enfant évolue à et on peut jouer rythme. À ce jeu de malade. Il y a Dry Nights. Des sous-vêtements de nuit qui aident les enfants pendant cette période. Ça filme bien. Ils offrent une protection incomparable pour les nuits secs. Dry Nights, rejoignez les enfants qui dorment au sec. Le saviez-vous, un enfant sur quatre vit pipi au lit. Oh, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. En attendant, il y a Dry Nights. Des sous-vêtements de nuit qui aident les enfants pendant cette période. Ils offrent une protection incomparable pour les nuits au sec. Dry Nights, qu'est-ce que je m'en fous. Donc apparemment, c'est un jeu en anglais, donc on va ouvrir Google Traduction si on a un problème. Hop. Français, anglais, parfait. Alors, donc là, on peut rejoindre des matchs. Donc, ok. Ah ouais, quand même. Il y a tout ça de joueurs. Ok, quand même, hein. Donc, ça a l'air assez connu. Donc, allez, on va rejoindre cette partie. Ok, donc, je crois que c'est plein. Je sens que ça va être chaud pour jouer une partie là, dans ce jeu. Ah bah parfait, on est deux. Okay, alors est-ce que je fais le batteur ou je fais le mec sympa? Attends, je crois qu'ils ils ont bien des noms en anglais. Donc c'est des anglais. What the fuck? Si je mets ça par exemple. Ok, non. Si je mets ça. Alors on va mettre ça. Oui, je suis un bâtard. Alors. Ok, donc faut que je dessine. Bowling. Ok, donc c'est à moi de dessiner si j'ai bien compris. Donc en fait, je crois qu'il faut que je dessine et il faut qu'il devine. Ok. Donc du bowling, comment on va dessiner ça? Alors, donc je vous préviens, je suis très fort en dessin. Vous allez voir tout ça tout de suite. Alors, voilà. Bon, ok, je sais pas dessiner, on va faire ça. Putain, ça m'énerve. Oh, mais c'est vraiment le jeu le plus dur pour dessiner. Ce jeu est totalement what the fuck, complètement taré de la life. Ce jeu, c'est la... Putain de merde. C'est quoi ce jeu? En plus, le mec aussi sait pas dessiner. C'est quoi? Ça. Ce. C'est quoi ce truc qui ne ressemble à rien? Ok. Ok, donc si j'ai bien compris, à gauche,
C'est un soleil avec deux testicules et avec un truc bleu au milieu qui sépare les deux testicules avec un autre truc bleu à côté, ouais. C'est ça. Regarde, attends, regardez juste la taille du mot. Mais c'est quoi ce truc? Putain, ça m'énerve! Oh là, mais en plus il dessine une... Mais c'est quoi ça? Oh mais putain, mais... Ça, il s'est pas dessiné. Alors, donc là, il faut choisir. Donc, on va prendre le plus simple, Nest. Donc, qu'est-ce que c'est, Nest? On va vite voir. C'est un nid, ok, pas de problème. Un nid, ok. Allez, on va dessiner un nid. Hop. Et de toute façon, le mec, il est en anglais, je comprends rien ce qu'il dit. Donc, ça, c'est le nid. Qui est sur une branche d'arbre. Donc ça c'est le tronc. Oui, je ne sais pas dessiner. On va faire un petit oiseau. Ouais, le petit oiseau. Ça ne ressemble à rien. Oh là là, qu'est-ce que je sais pas des... Bon, au moins que je gagne un point. Je vais pas terminer cette vidéo sans gagner un point quand même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il dessine? Ah ouais. Ah ouais, non, mais il cherche la merde avec moi, là. Ah ouais, mais... Ok, le mec, c'est... Non mais le mec, quoi. Non mais il fait le fou avec moi là. Tu vas voir après, tu vas voir. Oh là là, il faut, c'est un gamin ce mec. Wait. Ce mec est un fils de pute. Ce mec est un con. Qu'est-ce que je lui ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il m'a pas écrit. Mais, oh, putain, mais il cherche la merde là. Alors, attends. Alors. Non, il a pas que je qu'à chercher. Désolé par ma vulgarité, parce que là, on cherche pas la merde avec le Gigantello, les gars. Ça, je vous préviens tout de suite. Donc voilà, j'ai gagné. Pouh, ce que je t'ai mis. Oh là là, j'ai gagné, les gars. Alors là, vous pouvez dire que je me suis gavé. What language? Ok. Donc à détecter mon langage. Ok, donc je trouve que je suis un BG à ce jeu. Je suis assez fort. Ok, donc on va essayer. J'ai bien compris, il y a plusieurs jeux sur ce site. Donc allez, on va essayer d'autres jeux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer comme jeu qui pète sa mère? Un jeu qui envoie du lourd. Parce que sur ce site, hein, y a que des jeux qui envoient du lourd, hein, comme vous pouvez voir. Ouah, ce jeu-là avec l'écureuil, il a l'air d'envoyer. Quand je vois ce petit écureuil là. Ok. C'est quoi ce truc de merde? Non mais moi je veux jouer à... Moi je veux jouer à Movie Kart. Ouais, moi je veux jouer à Movie Kart. Moi, le saviez-vous, pas les fous avec moi là. Sur 4 fait pipi. Non, en plus c'est Overcart. Chaque enfant évolue à son propre rythme. En attendant, ce jeu, il a l'air trop bien. Des sous-vêtements, il doit avoir des cahiers, des graphismes de malade. Je crois.
Ils offrent une protection incomparable pour des nuits au sec. Donc si j'ai bien compris, c'est un jeu de bagnole. Les enfants qui dorment au sec. Le saviez-vous ? Oh putain, mais... Oh là là ! Chaque enfant évolue à son propre rythme. Je m'en fous ! Il y a Dry Night, des sous-vêtements de nuit qui aident les enfants pendant cette période. Il a qu'à crever, je m'en bats les couilles. Une protection incomparable pour des nuits au sec. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il pisse au lit ? Putain, en plus la pub elle dure 2 ans. Alors, OMG Pop, donc nom très original, hein. OMG, tu vois, trop, ça le soit comme nom. Donc, ok, donc là, on va choisir notre super tête. Ok, il faut payer, va te faire enculer. Désolé de mon langage. Donc, ah ouais, à ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu à part lui. Donc, on va le rejoindre. De se sentir un peu seul, hein. Hello guys. Ok, le mec il parle fort. Donc je pense que c'est un jeu avec des graphiques de malade, hein, parce que quand vous voyez genre on fait carte là et tout, ça doit être un jeu qui envoie du lourd. Non, parce que moi je choisis que des jeux qui envoient du lourd, moi je vous le dis. Vous serez pas en train de foutre de ma gueule. C'est quoi ce jeu pourri? C'est quoi ce jeu qui se sont inspirés de Mario Kart mais en 10 fois plus pire, où on peut poser des mines alors que ça devrait être des bananes? Ce jeu est du copier-coller en Mario Kart. Déjà que Mario Kart c'est de la merde, mais là c'est voilà quoi, parce que là c'est un peu exagéré quand même. C'est quoi ce jeu de malade? Non vraiment, sérieusement, je suis vraiment étonné par ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui a des graphismes très avancés par rapport à la technologie de maintenant. Donc ce jeu, je pense que ça va être une révolution dans les jeux de plus tard. Et c'est vraiment une inspiration pour les nouveaux développeurs. Donc quand vous voyez ce jeu, vous êtes tout de suite inspiré, vous êtes tout de suite impressionné vu sa qualité graphique. Il faudrait un processeur graphique très puissant pour faire tourner ce jeu. Voilà. Bref, c'est de la grosse merde. Ok. Donc je sais pas pourquoi, mais ça, j'ai plus envie de jouer à ce jeu. Je sais pas pourquoi. Oh ouais, un jeu de tank, un jeu de tank. Ah ouais, alors ça, c'est des coups ça. Un jeu de tank là. Ça c'est genre Call of avec le tank et tout. Alors ouais, c'est ce jeu de marlade. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Ouais, c'est quand même 13 minutes hein. Allez! Bah, ce jeu doit être tellement puissant que le chargement est assez long, quoi. Donc, j'aurais bien voulu faire des petites vidéos détente sur des MMORPG ou des. Ou plein d'autres jeux. Parce que j'aime beaucoup les MMORPG. Donc, j'aimerais bien vous faire des vidéos sur League of Legends et tout. Mais je sais pas pourquoi. Mon Fraps ne marche pas sur mon PC. J'ai bien pu remettre mon PC à zéro et ça marche pas. Ça marche pour lui, mon père, qui est plus vieux que le mien. Et Fraps il marche, et moi sur mon nouveau PC que j'ai remis à zéro, ben il marche pas. Donc je suis désolé, hein, parce que je crois que c'est un problème de compatibilité avec mon. Avec la carte graphique, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas ça ne va pas marcher. Donc le seul moyen que je vous propose des gameplays de qualité, ben c'est d'aller sur ce bon site de malade, OMG Pop. Bon, attendez, on m'appelle là, parce que je suis populaire, moi. Hop, je raccroche. Voilà. Donc voilà, pour l'instant je peux vous proposer que des gameplays sur des jeux comme ça. Et donc voilà, c'est... Ouais putain, attendez les gars, je suis obligé de me déconnecter là. Je vais me déconnecter de Skype. Ah, je me suis déjà déconstruit le PC, mais il faut que je me déconstruis le tel aussi sinon... Alors, où en est-on?
on était à découvrir ce jeu de fifou. Donc, ok, on va rejoindre. Ça charge. Ah ouais, on peut même personnaliser son tank. Ah ouais, mais c'est trop bien. Ah ouais. Il est trop con ce jeu. Il y a tellement de gens qui jouent que la partie elle se trouve tout de suite. Ah. Ok, donc il y a de l'XP. Non mais on lance. Ça met combien de temps? Bon, ok. Nous on va customiser notre tank. Ah ouais, carrément. Tu peux modifier les couleurs et tout. Oh là là, putain, c'est quoi ce jeu de malade? Donc nous. Oh, je le veux trop celui-là. Bon allez, moi je veux rejoindre là. Oh là là, alors ce jeu. Putain. Oh, je suis chaud là. Tiens, boost que j'ai mis. Même pas. Ah ouais, le mec, posé quoi. Mais regarde tout ce qu'il peut tirer. Mais vas-y, c'est du cheat. Ah ok, il y a des trucs là, attends. Mais non. Ok, il va me def, allez. Ouais, mais il cheat aussi. Comment. Attends, on va lui mettre un bride multiple. Bouh. Oh, je suis un taré, moi. Putain, ce que j'ai mis. Après, on va lui mettre une force shield. Un tank plutôt cheaté, quand même. Hein. Et ouais, raté, mon frère. Et je vais lui mettre ça, là. Ça va bien. Complètement raté. T'as mis les nuls, ce mec. Donc ça c'est un jeu de compétition hein, donc les plus grandes teams mondiales y participent. C'est quoi ça? Ah ouais, tranquille mec hein. Non mais moi je veux qu'il... Oh là là, c'est quoi ce jeu? Eh? What the fuck? Attends, regardez ce que je vais y mettre. Ah oui, le mec, tranquille, quoi. Ouais, il va me remettre le même truc, je parie. Est-ce qu'on peut bouger dans ce jeu ou on peut pas? Apparemment, non. Ok, donc attendez. Oh là là, je suis nul. Attends, mais moi je veux lui mettre un truc, mais. Oh là là, je me suis fait def. Ah, dernière partie. Et je le def. Oh non, on va s'arrêter là parce que en fait ça m'a un peu saoulé. Ce jeu est tellement bien graphiquement qu'il me fait mal aux yeux, donc je vais arrêter la vidéo. Non, parce que j'arrête la vidéo parce que ça fait déjà 18 minutes quand même, donc c'est pour ça. Donc les gars, j'espère que vous aurez aimé ces petites vidéos découvertes et en même temps un petit peu détente, il faut l'avouer. Hein. Donc dites-moi si vous aimez pas trop ce type de vidéo, dites-le moi parce que voilà, si vous aimez pas ce type de vidéo, hein, j'arrête. Parce que c'est pour vous faire patienter, parce que je peux pas faire de vidéo. Je peux faire que ça pour le moment. Donc je pense que ça peut être sympa, vu que ma chaîne est maintenant est beaucoup plus basée sur le fun. Donc je trouve ça assez fun quand même de faire des petites découvertes sur des jeux comme ça. Mais donc si vous aimez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace tout le monde.